La réunion de ce matin, c'est tout simplement pour amplifier les actions qui sont menées déjà par les communes et que la Riviera du Levant, la communauté d'agglomération, a voulu coordonner l'ensemble de ces actions pour être beaucoup plus efficace. On se rend compte aujourd'hui que le phénomène gagne du terrain. Il y a près de 4000 personnes qui sont recensées aujourd'hui. Donc nous voulons renforcer l'action des communes pour pouvoir endiguer ce fléau. Par exemple, au niveau de la Riviera du Levant, nous allons mettre en place des pièges à moustiques dans tous les établissements scolaires ainsi que dans des bâtiments communaux. Les écoles vont fermer dans 2 mois. Nous allons ensuite redéployer ces pièges à moustiques dans les bâtiments communaux. Nous allons mener une action sur le terrain parce que c'est ça l'enjeu. Il faut être sur le terrain, faire passer l'information. Donc avec les contrats aidés qui vont être mis en place, avec les associations, les conseils de quartier, nous pensons pouvoir être efficaces pour mener à bien cette mission qui est importante en direction de la population. C'est donc un virus véhiculé par les moustiques, comme le chikungunya, comme la dengue. Et donc on l'élimine en éliminant les gîtes où il se reproduit, qu'on appelle les gîtes larvaires. Les symptômes du Zika, ce sont des éruptions cutanées, les yeux rouges et des douleurs articulaires. C'est une maladie bénigne pour la majorité de la population qui dure entre 3 et 5 jours. Par contre, qui peut avoir des conséquences graves pour les femmes enceintes et certaines personnes fragiles. Ce qu'on propose, qui est le plus important, c'est d'aller au-devant de la population pour repérer avec la population où se trouvent les gîtes larvaires. Donc qui sont dans des gouttières en eau, qui sont dans des dessous de peau, dans différents récipients autour du domicile, puisque c'est un moustique qui ne s'étend pas à plus de 100 mètres du domicile des personnes. Donc c'est un moustique qu'on appelle domestique, qui vit, on va dire, pratiquement chez la population. Donc ces actions qu'on appelle la mobilisation sociale, eh bien, c'est arriver avec la population à changer les comportements, à ce que la recherche des gîtes larvaires et leur élimination deviennent automatiques.